Salut, salut Aujourd'hui, voilà ce que je vous présente, une petite maquette de chez Wave, le fabricant. Et du sujet, c'est Metal Slug, un super jeu vidéo qui commence à dater maintenant. La maquette, en elle-même, sortie par Wave Corporation, date de 2015. Je l'avais ratée à l'époque, mais complètement. Euh, passé sous le radar et après, euh, voilà, euh, elle avait pris énormément de valeur, etc. Et c'est grâce à l'ami Yvan West Laurence, coucou Yvan, que j'ai pu euh, la choper à 10 balles, littéralement, euh, déjà montée, j'ai pas la boîte, euh, déjà montée, mais euh, assez proprement, il y a quelques petites retouches à faire, les finitions, la peinture, euh, sur Vinted, euh, c'est Yvan qui m'a envoyé ça. Donc voilà la bestiole, Donc, vous voyez. J'adore la forme de ce tank, il me fait penser à Bonaparte, n'est-ce pas? Ce petit tank. Ben oui, Dominion. C'est la base Dominion, quand même, pour les amateurs de tank. Et vous voyez, bon, une maquette qui est quand même assez détaillée. Voilà. Alors, évidemment, il va falloir que je démonte tout ça. Pour pouvoir euh, faire les détails, euh, le peindre, etc. Voir éventuellement pour un petit éclairage dans le canon, parce qu'on a la place. Et peut-être aussi au niveau du phare. Alors, on a déjà une, une pièce euh, translucide ici. Mais je me dis que, vu l'épaisseur, voyez, on doit avoir la place de passer quelque chose. Je le regarderai. A voir. A voir oui, à voir non. Bien évidemment, bah, ça bouge. Hein. Voilà. Après, euh, comme, euh, comme ça m'avait été euh, indiqué, on a les finitions à faire. Alors ce qui est fun, c'est ça. Voilà. C'est qu'on est vraiment euh, sur le modèle qu'on qu peut jouer hein, dans le jeu. Donc ça, c'est super cool. Et puis la bouille, quoi. Enfin voilà. Ça, tous les micro-tanks devraient être comme ça. Surtout avec deux gros gatlings derrière. Donc la seule chose que m'a dit l'ancien propriétaire, c'est qu'il y avait un des échappements qui avait été collé parce que ça avait été cassé. Bon, de toute façon, ça c'est à reprendre, à faire une peinture un peu plus sympa. Donc de toute façon, ce sera collé. Le kit était donc livré avec une planche d'autocollant. sur base chromée, je ne sais pas pourquoi. Sur base, sur base métal. Enfin si, je sais pourquoi, pour ces éléments-là qui correspondent au, à ce qu'on a ici au niveau des, des feux, mais enfin, ce sera plus sympa à faire. En peinture, les symboles de tourelles également. C'est pas voilà, c'est pas compliqué. Et évidemment, on va regarder vite fait la notice. Donc euh, Metal Slug avec une illustration super chouette quand même. Hein, je veux pas dire. Et comme ça, ça me permettra aussi de, de vérifier au niveau du démontage. Voilà. Il y a plein de petites pièces, c'est une vraie petite maquette. Euh, voilà. On commence par la tourelle, ensuite on assemble le châssis. Alors, euh, ceux qui ont déjà construit des tanks ne seront pas dépaysés par ce genre de kit. Alors, faut savoir que la spéculation fait que ce kit-là maintenant il coûte horriblement cher. Euh, il est super sympa. Euh, il n'a pas été réédité pour l'instant. Euh, je dis Wave de temps en temps réédite ces choses, donc euh, voilà. Mais il faut avouer que c'est un must-have pour les fans du jeu, et même les fans de tank tout court, parce qu'il sort vraiment de l'ordinaire et il est choupi, quoi. Voilà. Et un guide de peinture. Alors, vous voyez, c'est un peu plus gris que ce qu'on a au niveau des grappes. Après, on n'est pas obligé de le faire comme ça, mais juste avec un peu de vieillissement, je pense que c'est fun. Voilà, là-dessus, il faut, faut travailler les éraflures, surtout. J'espère que ça vous aura plu, merci de m'avoir suivi. Pour les abonnés, merci à vous. Pour les futurs abonnés, merci aussi. Si vous voulez vous abonner, c'est le moment. Il va y avoir plein de nouveautés sur la chaîne avec des sujets complètement euh, éclectiques que vous n'avez pas vus jusque là. Parce que, comme vous l'avez compris, je suis un peu un touche-à-tout. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre Proder euh, Metal Slug euh, ou un autre tank, qui sait A plus, ciao, ciao